Bonjour à tous et bienvenue pour le 26e live au Star Wars Jedi Fallen Order. On est en New Game Plus, toujours en difficulté max. On a commencé un petit peu en retard, j'étais surpris. Il y a un patch qui a été déployé aujourd'hui. Je sais pas ce qu'il vaut. Très bien, enfin, allons-y. Accès non autorisé. Activation des protocoles de sécurité. Ok. Donc déjà, j'ai une première réponse. On peut pas avoir de nouveau Steam. Parmi ceux qui ont déjà été pris. Et je commence déjà à avoir une prise d'éternuement. Je n'ai pas les compétences. Ça porterait sa tête à la deuxième phase. Un master. Cette fois. Ouais. Le BD1, il a la carte. Ouais, non. Bonsoir Moustor, bonsoir. Je doute que Céré s'attendait à ce que je m'en serve comme ça. Il y a des stormtroopers partout. On doit faire attention, mon pote. J'ai pas gardé ma jauge, j'ai pas fait attention à ma jauge de vie. Oh, c'est mal joué. Je vais mettre un terme à votre vie.
vide qui est un peu généreux. Non, c'est pas vrai. Je joue hyper mal. J'ai pas le droit de jouer comme ça. Désolé, mais c'est un peu n'importe quoi. Bon, on va regarder quelque chose déjà d'un point de vue technique. Effet visuel. Voilà, on va regarder si le ray tracing ça a été amélioré. De temps en temps, les adversaires se téléportent, on sait pas pourquoi. Ah!
Le robot est plus intelligent que les Stormtroopers. Différemment, on va s'adapter s'il fait plus mal. Subtil mais c'est efficace. Se défend.
pied. Steve. J'en ai marre de cet endroit. Alors me voilà. Ils sont en vie. Cal, content de te on voir. On t'emmène. J'ai parlé trop vite. Je m'occupe de l'inquisitrice. Surveillez mes arrières. Ok. Sortir d'ici. Impressionnant! Mais tu souffres au fond de ton être, Kestis. Je peux le sentir. Tu culpabilises d'avoir mené tous ces imbéciles droit à leur perte. Tu es tellement, tellement prévisible. N'aie pas peur, Kestis! Toujours. La prochaine fois.
J'ai besoin d'aide, BD. À toi, Cassis. Accepte ta peur. Tu étais un chevalier Jedi, avant de trahir notre ordre. Ton nom était Massana Tide. Il est temps de te libérer. Oui. Je vais bien. Bon, First Strike, la 9e sœur. Bien plus, ça va, ça. C'est honnête. T'es un peu bloqué, toi. Mais j'ai pas bien le droïde. Il me faut 4 points là. La priorité c'est ça. Je remets la webcam. C'est tout bon, BD? Et là, bravo. Ça a l'air de tourner correctement. Retournons au Mantis. Si les autres s'en sont sortis, ils nous rejoindront au hangar. Sinon... Explosif lancé.
Là, on a l'impression qu'il se tient. Là, ça donne vraiment l'impression qu'il se tient, parce qu'hier, c'était pas le cas. Le hangar est proche. Vous êtes vivant. Grâce à cet arrêt de fils de Gundark. T'es blessé? Ça va aller. Où est passée l'inquisitrice? Elle est morte. Mais Gabs... et les jumeaux... j'aurais dû... Ils étaient au courant des risques. Il faut rejoindre la surface et informer Sogherera. C'est comme ça qu'on leur rendra honneur. Oui. Bon, BD, appelle les vaisseaux. Bon sang. Oh, c'est pas le genre d'accueil que j'espérais, ça. Bravo. Tu peux surveiller? Ça marche. Super. Je vais faire diversion. Toi, tu tires quand ils te regardent plus. Il est temps de payer l'addition. À plus tard, le ferrailleur. J'espère que le mantis est en un seul morceau. Bats-toi à mes côtés. Ouais, allez-y, enchaînez. Merci, bravo. Gardez vos positions. J'ai besoin d'un rapport. On y va, Kistis. C'est pas prévu, ça. T'arrives à le juger? N'hésitez pas les yeux. Regarde-moi. Et...
Team BD. On l'a arrêté. Pourquoi on voit que les sables les transpercent et ça leur fait zéro dégâts. Ouh, toi tu te déplaces un peu vite. Il y a un petit bug là encore. Des Z95 ? Pas mal. Celui-là est pour toi, Baud. J'avais bien senti que ce serait tendu. On se retrouve dans les airs. Prêt. C'était super pour un premier encart, mais j'attends encore ma paye. Une balise de localisation? L'autre est sur le Mantis. Quand ce sera plus calme, viens me retrouver. On discutera. Ouais, je te fais confiance. T'as vu ces infos? Il reste encore beaucoup à faire. Ça se profile bien pour moi, hein, BD? Hey, Baud. Que la force soit avec toi. T'es un bon combattant, Cal. Voyons si tu voles aussi bien. On est bon, BD ? Oh. Quoi que ce soit, ça devra attendre qu'on soit en lieu sûr. On dirait que ce portail est en maintenance. Dès qu'on atteint la surface, on passe en vitesse lumière. Faut prendre le risque. On s'est suffisamment attardé comme ça. On a de la compagnie. À mon signal, on freine. On passe derrière eux. Bien reçu, bravo. Beau travail, tout le monde. J'espère que c'était le dernier. J'aime pas m'éterniser. Il y en a d'autres. Je me détache, je vais en distraire quelques-uns. Merci, Baud. Bonne chance. À toi aussi, Cal. On se voit plus tard. On peut aussi faire comme ça. C'est toi qui m'as appris ça. La sortie, on y est presque. Il y en a d'autres qui arrivent de la surface. Et derrière nous, on est piégés. On a un peu morflé. Tu lances un diagnostic pendant que je transmets les infos? Envoyé. Pourvu que ces infos soient utiles. On a réussi.
mon meilleur rang, j'espère. Mets pas tes pieds sur la table. Eh bien, c'est ce que nous espérions. Ce livre est une copie qui provient des archives Jedi. C'est génial, Serré. J'aurais aimé qu'on empêche l'Empire de s'emparer du reste. Patience. On ne gagnera pas cette guerre de sitôt. Et pas tout seul. La galaxie est vaste, droïde. Et je n'ai vu qu'une infime partie de ce qu'elle a à offrir. Mais un jour, je retournerai sur Datomir. Et je murmurerai ce que j'ai appris à mes sœurs en sommeil. Tu n'es pas invité. Tu sais que c'est pas tous les jours que je sors mes vieilles recettes de famille. Alors, t'en penses quoi ? Meryl ? C'est bon. Mais tu pourrais mettre plus de sel. Trop de sel, c'est mauvais pour la santé. C'est super, Grise. Je serai prêt à payer pour manger ça. Vraiment ? J'ai peut-être te prendre au mot, Cal. Gate, vous trouvez pas que ça sent le brûlé ? Le gyro marche plus. On en a besoin. Oh. Y a des stations dans le coin où on risque pas de se faire dénoncer ? Oh. Évidemment. Fais voir le système Kobo. Alors c'était ça ta planque ? En plein milieu de nulle part. Un bon endroit pour se faire oublier. Et si quelqu'un peut rafistoler le Mantis, c'est bien Gris Dritus. Tu crois que c'est jouable ? On devrait ranger un peu avant d'aller voir Gris. Tu sais qu'il est un peu maniaque. Qui veut ranger ? On va remettre ça sur l'établi. Bon, qu'est-ce qu'on a là ? Ah, on y est presque. Je regarde. Bon, allons dans le cockpit. Une chose. Je vais faire des ajustements. Ça me convient très bien.
tout va bien? C'est quoi ça? On va se poser. Les systèmes tombent tous en panne. T'as quelque chose ? Redémarrage des moteurs. Bien joué, Médic. Jamais le hangar. Il faut qu'on se pose. Accroche-toi, BD. Complètement grillé. Sans réparation, on redécollera jamais. Alors, on est là, et ça, ça doit être l'avant-poste. J'imagine qu'on va enfin découvrir la cantina de Grise. Ok. Bon, allez, viens. C'est tellement calme. Bravo, aurait bien aimé ça. Ça a l'air de tourner un peu mieux avec le cinquième patch. Bonsoir Franck, comment vas-tu? Bah, c'est vrai que t'étais déjà en week-end dès mardi soir. Dès hier soir, t'étais en week-end. Week-end de 5 jours pour toi. Grise est de l'autre côté de tout ça. Tu veux bien que je jette un œil? Il y a eu un nouveau patch aujourd'hui, on a réactivé le retracing, on va voir si ça fonctionne correctement, ça a l'air. Alors, est-ce que t'as fait l'effort d'aller voir les vidéos sur la chaîne YouTube ? C'était sur Braca. Ça fait longtemps. Prof, qu'est-ce que tu dirais maintenant ? Allez, le Mantis ne va pas se réparer tout seul. J'espère que Grise aura les bonnes pièces. C'est reparti. Quelque chose d'intéressant? On dirait que le portail ne fonctionne pas. Ah, des portails qui fonctionnent pas, il y en a un paquet dans le jeu. Heureusement qu'il y a du ray tracing, hein. Et les reflets zéro, que dalle, nada. Eh bien. Mon dieu. Alors? T'as pas regardé le combat, t'as pas regardé la fin? Tu devrais regarder la fin, le combat contre Baud aussi, pour voir la fin du jeu. Alors le combat contre Dark Vador, il t'a plu ou pas? J'ai coupé les cinématiques hein, parce qu'il y avait une try. Mais c'est un combat qui était pénible parce que là aussi, tous les quarts de vie, t'avais une micro cinématique qui te cassait la fluidité du combat. Il s'est tiré par le piaf. Ok.
des droïdes de combat. Ce vaisseau est chez les pillards du chaos, donc il est à moi. Maintenant, je suis présent en contrôle. Ça devrait Il ne ressemblait pas aux séparatistes dont je me souviens, les pillards du chaos. Dans quoi Gris s'est encore fourré? Et je t'invite à regarder le schéma sur la commode avec la cinématique de fin. C'est particulier. Regarde-moi cette chose. Grise a vraiment choisi un endroit intéressant pour s'installer. J'avais oublié à quel point ils sont bavards. Bon boulot. On va gagner du temps. C'est mal joué. Oh, c'est mal joué. C'est un peu laborieux. Ah
s'enfonce. Il faut bouger. J'ai un mauvais pressentiment. Ok. Donc ça explose. C'est bon à savoir. Un vaisseau coincé? Oui, je connais ça. J'aurais bien aimé t'aider. Ah, le fameux boss qui nous avait posé un peu problème. Quand est-ce qu'ils vont enfin comprendre? Ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Négatif. Toi non plus de... Je ne suis pas une menace. Je suis touché. Bon, ben. Armement avancé. Allez-y. Arme Jedi identifié. Votre défense ne tiendra pas. Charge explosive. C'est qu'une égratignure. Ouais, je l'ai pris à un prospecteur après l'avoir trouvé au blaster. Si tu regardes la fin avec le combat de Baud sur la chaîne YouTube, tu me diras ce que t'en penses? On va s'arrêter. C'est surprenant. Comme fin. C'est tout bon. Ben nous aussi on plaisante pas. Donc les points où il y avait des steams à récupérer, des bonus en vie, en force, ils sont récupérés une bonne fois pour toutes. Hein. Donc en New Game Plus, on n'augmente pas notre jauge de force et notre jauge de santé. À moins d'avoir laissé des steams et des bonus de côté pendant le premier run. Il faut juste qu'on trouve le bon chemin. Chris va être étonné de nous voir, hein. Ici, je te défie. Viens me payer.
laissez pas respirer. Voyons. C'est parti. Il me faut un vrai combat. J'ai survécu à pire. Que les mots. On peut l'épingler. Il est agile. Et une brochette de Jedi. J'adore mon travail. J'essaie de gagner du temps. C'est bientôt terminé. Je prends. Ça nous apporte pas grand chose. Il y a rien à récupérer. On aura gagné un peu d'XP, mais bon. C'est un petit peu dommage qu'il rajoute pas plus de contenu pour le New Game Plus, non ? J'aurais pu rajouter des tenues supplémentaires. Enfin, parce que là, c'est. Si tu pouvais être une créature. C'est quoi l'intérêt de continuer, quoi, si on peut pas faire évoluer notre personnage, si on peut pas améliorer son apparence. Laissez-moi partir. On ne prospectera plus dans les gorges. T'entends ça ? Oh non, vas-y. Signale ça. Un autre à terre. Ennemi en approche. Prends ça. Nous. Oh. Cette blessure guérira. Le diabon. Ça doit faire mal. Problème ? Tu as peur ? Quelqu'un d'autre veut essayer ? Mange ça ! Commando. Il m'avait pas manqué cela.
On l'a tué ou il est passé à travers le décor, l'humain? Il est passé où? Alors les chaînes qu'on peut pas couper. Je comprends pas l'adversaire humain là. J'ai l'impression qu'il a disparu comme ça là. Pouf. Il était là. Plus là. J'ai pris des dégâts. Hey, qu'est-ce que t'as trouvé? Tu veux qu'on appuie dessus, hein? Ces trucs sont vraiment efficaces. Ok, il faut qu'on trouve un moyen de sortir de ce goudron. Ça pourrait être utile. Voilà qui devrait faire l'affaire. Continuons d'avancer. On y est presque. Mes amis, est-ce que vous les avez vus? Oui, les pillards les ont trouvés. Je suis désolé. Ah, ces maudits pillards, ils nous prennent tout ce qu'on a. Qu'est-ce que les pillards font ici? Ce qu'ils font tout le temps, ils terrorisent les petites gens qui essaient de gagner leur croûte sur cette planète. La vie ici était déjà difficile avant l'arrivée des pillards, mais maintenant... Oh, ils fouinent du côté de la vieille mine. J'espère qu'ils finiront explosés par les mines. Oui, croisons les doigts. Nous nous rendons à l'avant-poste le plus proche. C'est encore loin? Pas trop, non. Il suffit de passer la crête du canyon pour entrer dans la vallée. Vous feriez mieux d'y aller aussi. C'est dangereux par ici. J'irai, une fois que le chemin sera sûr. Je leur ai dit que c'était une mauvaise idée. Qu'est-ce qui nous a pris d'entrer sur le territoire des pillards? Les commandes sont ailleurs. Je dois me recentrer. Allons-y. Qu'est-ce qu'on fait ici? La montagne.
Ah oui, c'est vrai, j'ai pas la capacité pour ouvrir. Ouais. Vraiment pas agréable. BD ? BD1 ! Est-ce que ça va ? J'ai déjà dit de faire attention à ce que tu scannes. Allez, grimpe. T'aurais dû te laisser dans ce nid de ratard. Ça aussi, ce sera pour plus tard. Je remets la webcam. J'ai l'impression qu'il a basculé du côté obscur. J'ai l'impression que c'est ça la conclusion et que ça laisse présager potentiellement un troisième épisode où on va jouer un personnage qui est devenu un Sith. La fin, je la trouve assez moi m'a même assez mal à l'aise. On joue un perso dans un jeu qui tue volontairement le père de sang-froid devant sa fille. C'est étrange hein, quand même hein. Et je me suis renseigné, apparemment, hein, sauf erreur, il n'y a qu'une seule fin possible et c'est celle que l'on a eue.
Mais... des Bogling. Vous êtes très loin de Bogano. Tu crois que je pourrais le faire, BD? Il faut que je me concentre. On s'y remet. Sympa, le changement de paysage. On devrait plus être très loin de chez Grise. Ouais. Regarde-moi ça. La vue est superbe, hein? C'est ton vaisseau dans la gorge déterrée? Oui, on a eu quelques... problèmes techniques. T'as dû croiser les pillards du chaos. Ils nous ont sauté dessus direct. Ah, contente que t'ailles bien. Qu'est-ce que tu fais dans le coin? Je cherche un vieil ami. Tu connais Grise Dritus? Oh, Grise? Bien sûr que je le connais. Je m'occupe des écuries en ville. Mon nom, c'est Mozy. Moi, c'est Cal. Et voici BD1. Dis donc, t'es un joli petit droïde, toi. C'est bon de voir un visage amical. Pour moi aussi. La voie semble dégagée d'ici. Tu devrais pas avoir d'ennuis. À moins que tu les cherches. Oh, et... dis bonjour à Domadendra quand t'arriveras en ville. Elle... voit pas les étrangers d'un bon œil. D'accord, j'en prends bonne note. Merci du conseil, Mozy. Pas de quoi. Ça a l'air de mieux tourner qu'avant, hein. J'ai remis le ray tracing. Je sais pas trop ce que ça apporte. C'est pas flagrant. Hey, je m'attendais pas à te revoir aussi vite. Je pensais aller faire un tour aux écuries. Eh ben, c'est pas ici. Je m'occupe juste de Brutus, là. C'est un écho. Les écuries sont en ville, là-bas. Et si tu trouves une bête que tu veux faire sceller, passe me voir. Je vais ouvrir l'œil, Mozy. Merci. T'as entendu parler du Mogu qui traîne autour de la base des pillards? Non, je l'ai trouvé tout seul. J'ai réussi à l'avoir. Tu rigoles pas, toi, hein? Ça l'état, BD. Je te remercie, BD. Ça a l'air de tourner nettement mieux qu'avant, hein, quand même. Yeah.
besoin d'un steam. Bien envoyé, BD. Par ici. C'est moi ou par moment le jeu ne compte pas certaines attaques. Aide-moi. Un coup de main.
compris que je pourrais te mettre au couteau. Vos probabilités de me vaincre en combat rapproché sont de 0,3%. J'ai déjà connu pire. Place à l'action. Je ne vais pas mourir tout de suite. Liberté! Trop facile. Pour la gloire! Je ne céderai pas. J'engage le combat. Ouais, effectivement, il y a des bizarreries dans le jeu. J'ai l'impression que ça a un peu moins d'intérêt d'explorer parce que tout ce qui était collectionnable n'est pas renouvelé. C'est un petit peu bizarre. Oh merde. Salut Bobby. Ah, c'est pas cool. Ouais, alors on verra plus tard. Comment tu vas Bobby? Week-end prolongé pour toi? Ou tu bosses vendredi et samedi? Ah ouais. Bah je sais pas quoi te dire à part bon courage. Bah, je m'attendais pas à ça. On s'arrête un instant. Mais t'es mieux rémunéré quand même pour bosser un jour férié et un samedi, non? Pourquoi le film il est effrayant, le film Mario? Donc là on est en New Game Plus. Pour le moment c'est sympa, il y a eu un patch aujourd'hui sur PC, ça a l'air d'un petit peu mieux tourner. On a réactivé du coup le ray tracing. Eh bah, estime-toi heureux de pas avoir d'odorat BD. Tu t'es fait avoir de base, t'es payé triple et faire que 5 heures de travail. D'accord. Demain après-midi, je ferai pas de stream. Demain après-midi, je serai en frein demain soir. Je commencerai peut-être un petit peu plus tôt. Je sais pas où je suis venu, lol.
J'ai lu qu'il y avait une polémique à propos de du dernier de la dernière dernier bêta test de Diablo 4. Il paraît que la caméra était pas réglable et qu'elle était beaucoup trop prête et que ça nuisait considérablement à la au gameplay. Envoyer un steam ? Tu me sauves. J'avais pas vu. Du coup, Zelda, ton avis a évolué ? Ou tu juges toujours le jeu mitigé ? Hop là. Mais quel genre de créature vit là-dedans ? C'est RIP là, je crois. Un petit tartare de Jedi. Pas qu'il one-shotait. Il one-shotait le rancor. Purée. Ok. Yeah.
les tue en deux coups. D'accord. Bon bah ça fait beaucoup plus de dégâts. Magnifique. Voilà, on va s'amuser. Plus vite. Oh purée, oh les punitions que je me prends. Je suis touché. Ok. Sur le Zelda, on va changer d'arme parce que là c'est pas terrible, pas assez rapide. Parce que je vois pas comment je peux faire pour éviter cette attaque. Oui, du coup, je te demandais sur Diablo 4. Est-ce que tu avais fait la bêta de ce week-end ? Ok, dommage. J'ai besoin d'aide. Ici, le BD. En fait, je te demandais, en fait, pourquoi je te pose la question, c'est que j'ai lu qu'il y avait un gros souci sur la dernière bêta. Blizzard apparemment a fait un changement dans la gestion de la caméra et ils ont énormément zoomé, et à tel point que ça dessert le gameplay. Et une autre question, vu que tu joues sur Xbox, c'est acté le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft ? Parfait.
je chantais que j'étais trop gourmand. Ça fait mal, hein, ça doit être une mauvaise nouvelle, ça, pour Sony. C'est-à-dire que maintenant, Microsoft, ils ont absorbé Bethesda, ils ont absorbé Activision Blizzard. Bon, tu vas me dire, Activision Blizzard, ils n'ont pas sorti quelque chose d'extraordinaire depuis très longtemps. Et d'autres studios, ça commence à... Waouh. Génial, hein. Un dernier essai avec ce sabre et puis on va changer. Je le sais, je suis stupide. Ouais, enfin là, il y a un coup, j'aimerais bien avoir le replay, ça me paraît bizarre. Typiquement là je me prends un premier coup, je perds le contrôle du personnage, je peux rien faire pour éviter le suivant, RIP. Casse-croûte. Alors par contre, ce qui est dommage, c'est que le plan de caméra est complètement foiré. Ils ont fait quelque chose de sympa, mais ils l'ont pas bien exécuté. C'est vraiment dommage. Ils l'ont pas corrigé, malheureusement. Je pense que ce truc-là, ils le corrigeront jamais. Maintenant.
J'ai essayé d'aller dans la lumière pour me soigner, ça n'a pas marché. C'est dommage. T'as eu du mal sur le rancor quand t'as fait le jeu? Qu'un deuxième. Une deuxième attaque. Ah, ça je l'ai pas vu par contre. Pas vu venir. La jauge de Fel, ça Paul. Ce que je peux faire, hein. J'esquive, ça marche pas. J'esquive au mauvais moment. Je pense que j'esquive beaucoup trop tôt là. Les AO au sol qui te font des dégâts alors que t'es dans les airs, j'ai vraiment, mais vraiment du mal avec ça. Purée, mais j'arrive pas à l'atteindre cette zone de soin. Bon allez, on va le tomber. J'avais eu plus de facilité hein, avec le double. La double lame. Alors la caméra qui est en PLS, ça aide pas. En avant, BD. Ouais, enfin là, là c'est de la déconnade là. Non, là et franchement, il y a des dégâts, c'est un peu n'importe quoi. Là, celle-là, je la compte pas. Non, faut pas déconner quoi. On voit qu'on n'est pas touché. Non.
Faut être un peu sérieux à un moment donné. Par ici. Au milieu de la salle. Je suis touché. Aidez ici. J'ai besoin d'aide. Ça a l'air d'être quand même bien plus facile avec cette arme là. Honnêtement, vous trouvez pas que c'est un peu bizarre? Il frappe le sol, on est dans les airs. On crève. Ok, c'est tout à fait logique. Hein. Ça va passer. Petit croc Jedi. Ah.
J'ai besoin d'aide. Attends que Grise apprenne ça. Juste sous son nez. This is Sparta! On l'a un petit peu fumé là, le Rancor. Hein. Autant il nous a mis des bonnes raclées. Là, la raclée, on lui a mise. Hein. Et ça fait du bien. Moi, tiens, on va rester. Non, on va remettre l'autre sabre. Posture. Allez, BD. Ah zut! Je pense que c'est là où ça peut être vraiment utile d'avoir le sabre à double lame. Oh, faut ressortir de la zone. Oh, c'est galère. Je voulais pas utiliser l'ulti, je voulais le conserver pour un autre adversaire. On peut utiliser les montures là, toujours pas. Non mais. Le jeu. Ouais non. Ouais non, on peut pas. Je sais que j'ai pas la bonne arme. Thank you.
Donne-moi un skill. This is Sparta! Ouais, du coup, en fait, en New Game Plus, l'exploration perd beaucoup de son intérêt. Ils auraient pu tout de même rajouter un petit peu de contenu cosmétique. Ça coûtait pas grand chose. Et les game designers, ils devaient bien avoir quand même quelques modèles sous le coude. Un Steam, c'est possible ? Dommage, vraiment vraiment dommage. J'aurais pu mettre des éléments de lore supplémentaires en bonus qui permettent un petit peu mieux expliquer ce qui se passe à la fin. C'est vraiment vraiment dommage. Bonne nuit, Moussa. Bonne nuit. Ah oui, oui, c'est vraiment, oui. Complètement, oui. Ça manque de nouveautés, oui. Je vais tenter d'avoir un visuel. Menace identifiée. Sale vermine. Vous êtes pathétique. Vous êtes rare. Donne-moi un skill. Extinction des feux, Jedi. Tu sais battre, pour le retour. Attention. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui vont aller jusqu'à la fin du New Game Plus, à moins qu'il y ait peut-être un achievement. J'ai besoin d'un remontant. C'est pas passé loin. On va essayer d'arriver jusqu'à quelques boss pour voir s'ils sont un peu plus durs. Ouais, je te laisse le choix, Franck. C'est soit Star Wars Jedi Fallen Order, soit c'est Fortnite. Qu'est-ce que t'en penses? Are you serious? Ouh, il y a des chutes de framerate. Il y a encore des chutes de framerate. Ah oui, alors le jeu est dur, mais alors le problème c'est qu'il y a deux choses.
Il y a l'équilibrage entre les boss qui est... qui me paraît... pas du tout équilibré, justement. T'as le fait... T'as un manque de fluidité dans les combats. Sur certains boss, ils nous font des micro-cinématiques où les, tous les quarts de points de vie que tu retires au boss. Ah oui, oui, il y a des chutes de framerate. Hop, on retire le... On retire le ray tracing. Déjà, en plus, le ray tracing, je vois pas trop à quoi il sert. Hein. Sur Coruscant, c'est beau, mais alors, dans la partie monde ouvert, Kobo, ça, ça nuit. Et en plus, vous avez même pas les reflets du personnage dans l'eau. Là. Et franchement, franchement. Ouais. De toute façon, là, le ray tracing, c'est à que dalle. Hein. Et donc, cinématiquement, vous êtes en pleine action et c'est coupé. C'est coupé. Donc vous êtes à un moment donné où vous allez mettre énormément de dégâts à votre adversaire parce que vous allez épuiser sa jauge de contre. Eh bien non, il y a une micro-cinématique qui se lance. Il y a certaines micro-cinématiques où vous perdez le lock, c'est systématique. Il y a certaines micro-cinématiques où c'est défini en dur dans le jeu. Vous reprenez un emplacement et vous reprenez le combat à cet emplacement-là. Ce qui fait que si vous étiez placé... de façon très avantageuse par rapport au boss, bah vous ne l'êtes plus. Et en plus, quand le combat commence, le jeu a systématiquement, quasiment systématiquement, l'initiative sur vous. Et pour lancer des attaques extrêmement fortes, voire des fois ça vous one shot, ou ça vous lance une séquence de coups qui est juste imparable. Donc ce qui fait qu'il y a un aspect aléatoire dans les combats qui est juste dingue, quoi. Vous voulez faire l'affaire de votre vie? Peut-être. Je vous écoute. Certains se sont aventurés dans la mine là-bas. Et on les a jamais revus. J'y suis déjà allé. J'ai tué un rancor là-bas. Mais j'ai pas trouvé de prospecteur. Donc on résume. Pas de rancor, pas de survivants, pas de compétition. Cette mine de priorité est à moi. Vous n'en aviez rien à faire de ces prospecteurs alors. Vous vouliez juste la priorité. Je vais être honnête avec vous. Oui. Et maintenant, la mine est à moi. Faites gaffe quand même. Qui sait s'il n'y a pas un autre rancor là-dedans? Vous vous moquez de moi, c'est ça? Hein? Puis t'as des dégâts qui sont complètement abusés aussi. Notamment les dégâts de zone au sol. On bouge. Ils te font des dégâts quand t'es dans les airs. T'as des dégâts qui sont ignorés. Il y a aussi ce qui se passe, c'est quand il y a une micro-cinématique qui s'enclenche, quand le jeu vous redonne la main et que l'adversaire a la jauge de contre qui est vide. On y est presque. Si vous le frappez, là ça il n'est pas déstabilisé. Ça faisait un bail. Peut-être qu'il sait où se trouvent les autres maintenant. Serré et bloqué dans le passé. C'est vraiment dommage. Mérine en errance. C'est de l'histoire ancienne. Les zones à défi, du coup, elles ont plus grand intérêt aussi. Tu pensais pouvoir nous arnaquer? C'était juste un tout petit malentendu, hein. Hey, lâchez-le. Ça. C'est hors de question. Cette chose nous a vendu une relique hors de prix. La clé qu'on cherche depuis longtemps. Sauf que, bien sûr, c'est une fausse. Je croyais que c'était la vraie, Révis, promis. Oh. Je te crois. Mais je ne peux pas tolérer des erreurs pareilles! Prenez ça comme un avertissement! Voilà ce qui arrive
quand on contrarie les pillards là-haut. Tuez-le. Ah non ! Ça suffit. Partez. Un Jedi. Rappelle à notre ami pourquoi son espèce est censée avoir disparu. Reviens ici! Voilà comment les pillards! Faites hors de question! Pas ici, pas comme ça! En fait, c'était une feinte. C'était une feinte. On a une super IA, c'était une feinte. Impressionnant. La prochaine fois que tu veux te battre, viens nous trouver. Quel plaisir de voir un Jedi en pleine action après toutes ces années. Noble chevalier Jedi, si tu retiens ta main, je me retirerai en paix. Ça suffit, Turgle. Turgle, viens par ici. Oui. C'est vous, Doma? Oui, c'est moi. Tu as un nom, Jedi? Moi, c'est Cal. Et voici BD1. J'apprécierais si vous pouviez garder ça secret. Ici, à la frontière, le seul moyen de survivre, c'est de se serrer les coudes. Bien dit. Rien ne t'obligeait à intervenir et pourtant tu l'as fait. Oui, tu l'as fait. Turgle, tais-toi. Oui. On ne révélera pas ton secret. Cal. Ça nous est bénéfique à tous les deux. En gros, merci. On peut dire ta gueule, ta gueule. Bon, bon, on va arrêter là pour ce soir. On va aller sauvegarder où on était. Et puis on reprendra demain ici. On continue tranquillement sur le New Game Plus. Ici on voit que c'est vraiment sans intérêt. Nouveau. Bon, on arrêtera là. Respire. Ah bah tiens, point, on a 3 points de compétence, bah très bien. Force.
Alors c'est, eh bien, il manque un mot, je pense. Il manque un mot.